actuellement au Sénégal, une profonde crise politique. C'est une crise de la démocratie, de la république, des institutions, de la représentation, de ce qui fait lien et tient le corps social, des valeurs autour desquelles nous nous reconnaissons en tant que nation. En somme, une crise de la communauté politique. Les chroniques d'un temps politique ont pour but de saisir ce temps, de le comprendre, d'en élucider les dynamiques historiques et contemporaines, de comprendre comment en est on est arrivé là. Et de proposer des voies de sortie de crise. À chaque émission, nous invitons des universitaires, des intellectuels, des artistes, des personnalités de la société civile qui, de par leur profession, leur expertise, leur regard, leur engagement, leur talent et leur conviction peuvent nous éclairer. Ces chroniques font la part belle aux universitaires. L'université fait profession de vérité. Elle se doit de comprendre la réalité sociale et de l'éclairer. Son éthique lui commande de ne pas mentir sur ce qu'elle sait. ces chroniques partent de la conviction qu'une parole juste participe de la totalité des actes qui produisent le changement. une telle parole fondée sur un savoir, une expérience, et portée avec lucidité, clarté et courage est nécessaire autant que nous vivons. aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'entrer en conversation avec la professeure mme. M'pennaba, bas bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes euh, agrégé des facultés de droit et de sciences politiques, vous enseignez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous dirigez le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs africains et diaspora, fondé en 2014, le LASPAD, et vous êtes aussi rédactrice en chef de la revue Global Africa. Vos travaux de recherche porte sur la sociologie politique du religieux, les politiques publiques et le genre. Aujourd'hui, notre conversation portera sur l'histoire de l'État du Sénégal et sur la manière dont notre communauté politique est organisée et fonctionne. J'aimerais, professeur Barr, que vous reveniez sur l'histoire de la constitution de l'État du Sénégal, notamment sur ses origines coloniales. Euh, merci beaucoup, euh, cher Féline. Je voudrais vraiment prendre quelques secondes pour vous féliciter de cette initiative qui est extrêmement importante et qui fait sens, euh, surtout dans les moments que, que nous vivons. Euh, la, la question est importante, mais je voudrais commencer par souligner que l'État, euh, partout où il s'implante et se développe, et l'État s'est euh, mondialisé, euh, euh, procède d'une évolution historique. Et donc, il faut toujours, quand on pense l'État, ne surtout pas penser à une entité qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, qui est, euh, qui est stable, mais au contraire, penser euh, le, le penser sous le mode dynamique. Et donc, l'histoire de l'État en Afrique de l'Ouest et au Sénégal en particulier, c'est... Déjà une, une assez longue durée. Le, le moment que, que que vous identifiez, ce moment colonial dans la construction de l'État au, au Sénégal, c'est un moment charnière. C'est un moment absolument charnière parce que je considère que au fond, en un sens, nous n'en sommes pas totalement sortis. Euh, et c est, c est les, les, les attributs, les caractéristiques, les principes qui euh, euh, ont sous-tendu la mise en place de cet État colonial, euh, n'ont pas encore été complètement évacués et vidés. Et donc, nous sommes encore, mais je pense que oh, j'aurai l'occasion de, de, de le montrer, euh, mais il faut donc, pour comprendre le moment dans lequel nous sommes et le type d'État dans lequel nous vivons, nous devons absolument comprendre, déconstruire, ouvrir, déplier littéralement l'État colonial. Et, et l'État colonial, c'est quand même une, une, une chose absolument fascinante. Comme objet d'étude. Pendant très longtemps, les, les sociologues, euh, les politistes, mais aussi les historiens des institutions ont cru qu'on avait, avec euh, l'État colonial, vraiment une, une structure, une formation relativement inédite, qui ne correspondait absolument pas à ce qui avait cours dans les métropoles, euh, ni, euh, ni 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 ce qui était en train de se passer dans dans, dans les colonies. Et donc, c'était vraiment une forme nouvelle euh, euh, et spécifique. Or, le, dans, le, le, les historiens sont aujourd'hui en train de montrer qu'il y a une continuité extrêmement forte et importante entre l'État colonial et l'ancien régime français, si vous voulez, mais d'une manière générale, l'ancien régime européen. Et euh, comme vous le savez, le, le modèle de l'ancien régime est un modèle extrêmement hiérarchique. Euh, extrêmement violent ou et vous vous souvenez de, de, de tout ce que disait la CIA sur le tiers état qui était tout en termes de, de démographie et d'importance et qui n'était rien politiquement ni euh, économiquement etc et donc on avait vraiment une élite une, une, une noblesse une aristocratie euh, et un clergé pour le coup qui au fond euh, euh, était sous un mode seigneurial et, et euh, ne donnait euh, littéralement aucun espace ni aucun pouvoir ni aucune parole à ce tiers état et c'est donc Finalement, euh, et ça c'est très intéressant, cette filiation, euh, lorsqu'on fait la sociogénèse de l'État colonial, on se rend compte qu'on est en réalité dans un modèle qui a été honni, détesté et qui a été l'objet des révolutions européennes. La Révolution française a fait tomber le modèle d'Ancien Régime, le, le modèle d'État de l'Ancien Régime. Et c'est justement ce modèle qui a été détruit dans les métropoles par toutes les révolutions, euh, anglaise, euh, la Révolution française, euh, c'est précisément ce modèle que, qui a été transportés dans les colonies. Et c'est un modèle qui est, vous le savez, extrêmement violent, comme je le disais, hiérarchique. On ne rend compte de rien et vous avez une imbrication totale de tous les pouvoirs. Le roi, euh, c'est une autorité qui est inquestionnée. Il y a une forme de naturalisation de son pouvoir qui vient évidemment de Dieu. Tout comme ici, le pouvoir colonial, le, le, le colonisateur, l'administrateur colonial, bah, avait en sa possession tous les pouvoirs judiciaires, exécutifs, législatifs, si vous voulez, et n'avait à rendre compte à personne et certainement pas au sujet colonial de ce qu'il qu faisait. Et, et, et c'est donc ça notre histoire. Euh, je, je, et, et il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il ne s'agit pas de quelque chose qu'on ne connaît pas et quelque chose de nouveau. C'est bien au fond quelque chose qu'on connaît et quelque chose, encore une fois, comme je le disais, qui a été euh, euh, sorti de l'histoire comme étant un modèle, et il faut dire les termes, tyrannique. L'état colonial est un état violent, tyrannique, injuste et qui déclasse toutes les catégories au profit d'une petite élite. Donc, on a hérité d'un état euh, de l'ancien régime qui est qui est qui est pré-moderne ou antemoderne. Et qu'est-ce qui explique que, au des indépendances, nous n'ayons pas réformé fondamentalement la structure Qu'est-ce qui s'est passé au moment où la plupart des nations africaines accèdent à la souveraineté internationale et ont le loisir, de repenser leurs formes étatiques. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce, ce moment-là euh, Ce qui se passe, c'est que euh, on n'a pas tiré toutes les conséquences du type d'État que nous avions. Si nous avions, et c'est pourquoi la qualification, le fait de nommer de manière juste les choses, est un processus euh, non pas seulement idéal, euh, c'est aussi un processus politique. Nous n'avons pas, pas, nous avons parlé de colonies, euh, nous avons parlé de, 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 de fédérations, d'associations, d'union, de tout, sauf, encore une fois, du fait qu'on avait face à nous un État qui était un État d'ancien régime. Et la seule attitude réelle pour se débarrasser d'un État de ce, de ce type-là, c'est la révolution. Nous n'avons pas fait des révolutions au moment des indépendances, parce que nous aurions dû, et c'est exactement ce que la France a fait, pour sortir de toute cette violence, il faut absolument remettre à plat. Il nous aurait fallu une, une philosophie de la révolution, une philosophie de la refondation, une nouvelle praxis, donc tout mettre à bas, euh, tout mettre à terre et requestionner ce modèle. Nous ne l'avons pas fait, nous avons hérité. Nous avons voulu à ce moment-là, et je pense qu'il ne faut peut-être pas faire d'anachronisme non plus. Je pense que le contexte est important. Quels étaient aussi les moyens dont disposaient euh, nos fameux pères de la nation, qui, il faut le savoir, euh, le, le, ce modèle, le modèle colonial, est un modèle qui est euh, logique et, et efficace dans son action. Euh, Rappelez-vous, nous sommes au Sénégal dès 1848. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale française. Nous avons des écoles. La colonisation ne s'accompagne pas seulement de la force brute et violente. C'est pas seulement des militaires ou la police euh, qui arrivent. C'est aussi les écoles. C'est aussi l'Église. C'est toutes ces, euh, ces institutions qui sont euh, qui accompagnent. La fameuse mission civilisatrice euh, qui explique à quel point faire partie de cette de cette civilisation est, est, est valorisante est enrichissante, et enrichissante et on soigne des maladies et on construit des routes, on, on entre guillemets on assimile une petite élite aussi et, 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 et ce processus prend. Il, il faut bien comprendre que, que le, le le projet euh, le colonial c'est un projet total et c'est un projet euh, qui est extrêmement euh, à la fois pernicieux mais très intelligent dans sa manière de fonctionner. Euh, le, 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 les communistes, ont, les marxistes la, en particulier, je pense à Althusser, à ont, ont bien montré euh, que qu'il y a dans toute colonisation deux types d'actions euh, et, et deux types d'institutions qui sont qui sont mises en place. Vous avez des, des institutions répressives. Euh, encore une fois, la police, les militaires, l'armée, la violence de droit et la justice sont là et l'administration. Ce sont vraiment des institutions qui sont coercitives et violemment coercitives. Mais à côté de cela, vous avez aussi des, des institutions euh, ou des appareils idéologiques qui, qui concourent à expliquer aux colonisés, en particulier aux Noirs, euh, la, la, le caractère naturel et normal de son infériorité, qu'il lui distille de manière insidieuse et intelligente à travers l'école, euh, à travers l'Église. Euh, et à, à, à travers des, des éléments de culture euh, qui finissent sur la longue durée. Nous sommes encore et encore une fois au Sénégal. Euh, vous avez 350 ans euh, de colonisation, de présence euh, française, euh, de communes à saint louis en particulier, et vous avez donc sur cette très longue durée euh, tous ces éléments idéologiques euh, qu'on appelle, si vous voulez, la mission civilisatrice, et qui présentent là pour le coup le colonisateur comme au fond un bienfaiteur. Euh, et il y a, il y a, c'est vraiment cette 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 d'une d'une gestion euh, encore une fois très euh, tyrannique, mais aussi. Euh, une culture qui vient s'adosser pour cacher et justifier précisément toute cette violence euh, physique mais aussi symbolique euh, qui permet euh, au fond euh, tout le processus d'aliénation dont on parle. Et donc au, au moment euh, de, de, des indépendances, nous avons en face de nous des... des, des, des gens qui pas tous forcément mais qui sont quand même à des degrés divers dans des formes d'aliénation euh, et de et de collaboration avec la métropole des relations euh, se sont tissées et c'est et c'est très difficile c'est facile pour nous de le dire aujourd'hui mais c'est très facile de de se délier de quelque chose qui a été construit sur des siècles d'où cette peut-être cette opération euh, euh, et, et ce choix d'aller vers surtout en Afrique francophone d'aller vers une, une une décolonisation apaisée euh, négociée plutôt que pas euh, euh, la révolution totale. Non, je pense, professeur Ba, que vous soulevez ici un point important, parce que, la, parce que souvent on se pose la question de savoir, de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas rompu avec ces institutions-là. Et vous, vous éclairez le projet de séduction par la proposition de deux formes achevées qui entre dans le processus de modernisation et qui peut expliquer pourquoi est-ce que les élites ont adhéré à la forme de l'état, à la forme de l'État-nation, au projet de modernisation et au projet de développement économique. Mais cependant, il y a eu des intellectuels qui ont alerté. En 61, on a Fadouan qui écrit Les dalles de la terre, qui est engagé dans la dans la lutte algérienne pour l'émancipation et qui dit attention, si nous re reproduisons les institutions euh, Colonial tel quel, nous allons accéder aux indépendances, mais nous allons rater l'émancipation. Mm -hmm. Il y a des débats autour des années 58, 59 entre le GPRA, la Guinée, le Ghana, les, les nations qui vont être indépendantes mm -hmm. sur les formes du politique à donner aux nations prochainement indépendantes. Et qu'est-ce qui se joue là Parce qu'il y a aussi les anglophones, il n'y a pas que les francophones. Qu'est-ce qui se joue là et qui fait que finalement, en dépit de la, de la séduction qui a, qui a joué son rôle, la plupart des États... Adopte ces formes, je dirais coloniales ou... euh, Ces formes coloniales qui sont en, en grande partie, encore une fois, vous le savez, issues du, du transfert, du mimétisme d'institutions. Encore une fois, non pas modernes. Il faut, ça, ça c'est très important, des institutions qui sont prémodernes. Euh, euh, il y a plusieurs réponses à votre question qui est importante. Il y a dans euh, dans le travail de Fanon euh, une sorte de mmh. radicalité qui impose aux, aux, aux colonisés, euh, qui veut vraiment s'émanciper, d'avoir une contre-proposition. Remplacer l'État colonial par quoi Il faut vraiment construire, il faut théoriser euh, de manière euh, extrêmement forte et rigoureuse et puissante euh, les fondements de cet État nouveau, libre littéralement, et... et, 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 et et, et, et ça, c'est un projet de société qu'il faut vraiment penser et construire. – Mais il a une réflexion sur les paysanneries, sur la culture, sur l'éducation, sur énormément de… de – Au fond, il n'est peut-être pas le seul d'ailleurs. Oui. Je pense que euh, même si c est, c est, ça viendra après ou, ou juste dans ces mêmes temps. Vous avez aussi des propositions d'un chef intérieur par exemple. Il, il, on a des, des propositions, mais, mais euh, euh, je dirais qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre. Elles ces propositions demandent un courage politique et surtout une rupture avec la métropole. Et encore une fois, ce sont des hommes. Les États, ce sont des institutions qui sont habitées par des hommes. Et ces hommes-là ont des intérêts, ces hommes-là ont construit des relations et euh, des formes de, 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 de. de... de Connivence. Littéralement euh, et, et de, de, de reconnaissance de part et d'autre qui qui, qui, euh, qui font que c'est difficile de, de, de basculer dans la radicalité sans compter tous les coûts. Regardez le, le, le coût de, de ce qu'ils ont euh, de, de ceux qui ont choisi de sortir de ce modèle là. La Guinée. La Guinée. Euh, le, le Mumba. C'est littéralement des questions de vie et de mort. L'UPC, euh, et, et absolument. Et on peut, et, et peut-être que ici le choix qui a été fait par le, le plus grand nombre, c'est le choix de l'accommodation. Et nous sommes en train de payer euh, le, le, ce, ce, ce coût-là. Mais il y a aussi eu, je pense, une, une forme de, de rationalité qui pouvait à, à l'époque justifier euh, qu'on qu soit allé vers ce, vers ce modèle de l'accommodation et pas celui de la révolution et de la radicalité. Alors, au des indépendants, on a des États qui sont des États, on va dire, développementistes, qui, 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 qui dans leur discours, ont des projets de prospérité, de bien-être. Et qu'est-ce qui se passe Parce qu'on on ne peut pas considérer que ces États-là se sont transformés en États-providence ou en États sociaux. Donc, qu'est-ce qui se joue là, dans les dix premières années, pour que ces États-là, en dépit de leur forme hybride et, et inadéquate, ah, qu'est-ce qui fait qui, qui n'arrive pas à répondre aux aspirations qui se donnent. Dans, cette, dans la séquence 60 70, euh, 70, 70, voilà, jusqu'à la première crise pétrolière, si vous voulez, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se met à jour. Euh, donc, euh, l'administrateur colonial est parti, a été remplacé par euh, l'administrateur local, si vous voulez. Euh, encore une fois, euh, qui et puisque vous citiez Fanon, Fanon nous dit que le rêve du noir au fond, ça était de prendre la place de l'homme blanc et de coucher avec la femme blanche. Ça c'est dans le premier Fanon. <laughs> certainement, mais il y a quelque chose de cela, de, de, de cela qui reste euh, et qui demeure questionné chez nous. Mais il faut quand même reconnaître que nous avons une première décennie euh, qui est, comme vous l'avez dit, qui est développementaliste. Les, les États veulent construire une nation. Nous avons euh, des entités euh, qui sont là, qui ont été encore une fois sous le régime de l'exploitation et de l'extraversion. Il faut construire euh, des, des écoles, encore des routes, construire une économie, mettre en place une vraie bureaucratie, euh, les premières universités. Donc on a une, une, une vraie effervescence et je pense de vrais projets politiques. Regardez Nyerere, le socialisme seigneurier. On a, on a à la fois de l'espoir, de, pardon, de l'espoir. Euh, une vraie envie de de, de faire euh, quelque chose d'autant plus que la société internationale euh, appuie d'une manière générale mmh. et en tant qu'économiste vous le savez mieux que moi et on a quand même accès à, à quelques ressources pour faire ça. Il y a des, financements, prêt, il y a des financements, il y a des prêts, il y a, il y a il y a on on verra ce qui en a été fait. Euh, le, le problème c'est que cette cette, cette, cette période euh, où l'État est vraiment volontariste, veut construire mmh. quelque chose. C'est l'État, c'est le moment où on a de petits épisodes d'ailleurs démocratiques, d'ouverture démocratique, avant la fermeture très rapidement d'ailleurs du, du champ euh, civique et, et du modèle euh, démocratique. Euh, ensuite, on, on partira, on ira vers les partis uniques. Mais euh, donc il y a quand même un petit moment, je dirais, d'engouement et d'effervescence où on veut faire les choses et on a ce petit soutien-là. C'est une parenthèse. Cela dure, euh, euh, cela dure Très peu et c est, c est, c est, on peut, on, on, on pourrait, je pense, à juste titre parler de quasi État providence à ces moments-là. Si vous lisez vraiment euh, les programmes, le socialisme senghorien, il y a l'idée de démocratiser l'école, il y a l'idée de, on a accès à ce moment-là et ça, c'est des questions qui sont importantes. Nous avons quand même un accès qui est relativement ouvert et gratuit à, à la santé. Nous avons des hôpitaux où vous veniez et vous aviez une forme de sécurité sociale qui se mettait petit à petit en place et où l'État était un État médical, soignant. C'était un État qui voulait éduquer, un État qui voulait euh, avoir un début d'industrialisation. Mm -hmm. L'épisode, encore une fois, est cassé dans son élan très, très rapidement. Et l'agriculture est aussi subventionnée au début Exactement. Mais peut-être que la. Est-ce que la question de l'État-nation n'a pas été trop vite résolue Donc, ça, On disait que le projet c'était de passer de la quasi-nation à la nation, et que la, et que la patrie qui pouvait se fonder sur l'histoire, sur le territoire, la géographie, n'était pas la nation. Et euh, en Afrique et en Amérique latine, on s'est rendu compte que les compositions historiques, comme politiques, étaient des lieux où cohabitaient plusieurs nations, ou plusieurs groupes ethniques, comme contrairement à l'Europe de l'époque qui était plutôt homogène. Est-ce que là, il n'y a pas eu un, un faux départ dans la tentative de constituer des États-nations Si on pense aujourd'hui à des États qui se disloquent, puisqu'ils n'ont pas réussi à fonder la cohésion nationale d'une pluralité ethnique. Donc je prends le cas du Mali, où les Touaregs, les Soraïs du Nord n'ont pas été inclus dans le dans le récit dominant. Et, et les revendications identitaires, ou, couplées à des, à des crises économiques, peuvent expliquer en partie la déliquescence. Est-ce que là aussi, cette… Cette configuration d'un État d'une nation sur un État, un État sur une nation, n'est pas problématique. C'est extrêmement problématique parce que euh, il s'agit là d'ailleurs des erreurs historiques euh, de nos dirigeants. On a pris euh, le, le 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 résultat encore une fois d'un processus historique euh, qui a pris des centaines d'années en Europe, l'État-nation. Qui a été la, 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 le, le résultat de guerres, encore une fois, extrêmement longues et violentes, mais des guerres entre entre nations, mais aussi des guerres internes. Euh, un processus euh, d'homogénéification par rapport à la langue, encore une fois, par rapport aux au, 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 au modalités euh, de de la vie de tous les jours, qui a pris énormément de temps. Euh, vraiment, on est sur des siècles. Et nous avons pris ce résultat pour quelque chose de normal, de naturel et de et de données qu'on pouvait prendre et calquer chez nous. Et donc l'État-nation, on a voulu, encore une fois, en l'espace de 10, 15, 20 ans, sur des espaces qui étaient absolument pluriels et divers en, en termes de, de, de culture, de communauté, on, on, on a voulu gommer toutes ces différences-là et construire quelque chose qui s'appelait le citoyen ivoirien, le citoyen sénégalais ou béninois ou, ou, ou camerounais. Euh, en oubliant que euh, dans, sur nos terres, en réalité, ce qu'il fallait penser, c'est précisément des États multinationaux et, et comment cohabiter avec cette diversité. Euh, mais 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 et toujours euh, dans dans ces processus d'homogénéisation, il y a évidemment des perdants et des gagnants. Et à un moment ou à un autre, ceux qui les perdants euh, se retrouvent dans des formes de revendications qui peuvent être brutales. Vous vous parliez du du Nord Mali, mais euh, restons au Sénégal. – On oublie le beaucoup les citer sud, exactement. – Le sud du Sénégal. Euh, – le, le, le sud du Sénégal. Vous, nous avons un conflit qui est heureusement en train de se… Euh, de, de, je, je pense, de vivre ses derniers euh, moments, j'espère. Euh, mais nous avons un conflit qui dure depuis plus de 40 ans et qui se fonde exactement sur ces mêmes ressorts. Euh, quand on dit… Euh, regardez la devise du Sénégal. Un peuple, un but, une foi… De quel peuple est-ce qu'on parle Le but a été défini par qui Qui a été invité autour de la table quand on définissait le but, la projection, l'avenir de ce peuple-là Une fois, en quelque chose, j'imagine, mais qui était là encore une sauf fois Sauf qu'on sait que les nations sont des communautés imaginées, mais que c'est généralement les élites qui imaginent les Absolument. termes de cette communauté-là. Et que, et que dans d'autres espaces aussi, les, les peuples n'ont pas été convoqués à la délibération sur la nation, sauf à l'issue d'une crise ou d'une révolution ou d'un moment de refondation. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est, en vous entendre, en vous écoutant, c'est que, donc, pour considérer temps que nous sommes toujours dans un processus historique de construction d'une communauté politique avec ses soubresauts, ses allées et ses retours, et que l'échelle à laquelle nous regardons les choses n'est peut-être pas la bonne échelle l'immédiateté le, le, et la quotidienneté nous empêchent effectivement de voir euh, euh, la, les, la, la puissance de la longue durée le temps, le temps c'est un élément extrêmement important. Euh, du, du fait de notre de notre petitesse, de notre nombrilisme et de du fait que nous sommes des humains, euh, nous évidemment nous prenons les choses tout de suite maintenant à l'échelle de, de la petite chose que nous sommes. Exactement, nous, nous nous vivons au maximum 100 ans et nous croyons que euh, tout se joue là. Et, mais quand on monte, euh, quand on change d'échelle, quand on se quand on se euh, on se projette, les choses changent beaucoup tout le temps est énormément sur le continent. échange, je pense vraiment, euh, pas toujours dans le bon sens, mais ces, ces moments de reflux font aussi partie de la, de, de, de la dynamique. Euh, les, les, les états en afrique sont en train de changer, non pas euh, du fait des gouvernants, euh, non pas du contexte international, mais euh, pour moi, énormément euh, du, à partir des euh, individus, les, les, les citoyens, les sociétés. les sociétés. Les sociétés bougent énormément et, et imposent de plus en plus le rythme aux, aux gouvernants, que ce soit au niveau local ou au niveau euh, international. Justement, je vais en profiter pour vous interroger pour, pour, sur les rapports pouvoir et société. Donc, bien, bien évidemment, avant le fait colonial, il y a des formes de, de gouvernementalité, il y a une culture institutionnelle, il y a une culture politique. Et des fois, on a le sentiment dans nos États d'être dans des espaces... Hybride, où il y a plusieurs foyers de pouvoir, plusieurs foyers d'autorité, plusieurs foyers de légitimité. Il y a les institutions républicaines, officielles, mais il y a d'autres lieux où les choses s'instituent. Il y a d'autres lieux où les conflits se résolvent. Il y a d'autres lieux où les légitimités se font, où les autorités opèrent. Le religieux est un lieu où l'autorité opère. Et, euh, et donc, que des fois on a le sentiment d'être dans un espace plurie, je ne sais quoi, plurie quelque chose. Donc je pense qu'il y a un terme en, en science pour, pour 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 dire lorsque l'état, voilà, un espace polyarchique. Et comment négocier dans un tel espace où il y a des institutions officielles et des institutions qui ne sont pas reconnues comme officielles mais qui opèrent? Nous, nous parlions euh, tantôt de cette euh euh, inadéquation euh, de, de la forme État qui se poursuit encore. Euh, parce que encore une fois, un État, je ne reviendrai pas sur ça, ça se genèse, on, on, on la connaît maintenant, euh, et on connaît ses ces, ces défaillances euh, intrinsèques. Euh, et, et, et ce qui se passe, et, et vous avez absolument raison en, en, en cela, euh, l'État détient un certain pouvoir, et il ne faut pas s'y tromper. L'État colonial, c'est un État qui disqualifie. Euh, certaines institutions euh, traditionnelles, et donc non seulement certains savoirs, mais certains espaces euh, de création, euh, de résolution, de médiation et des lieux de, 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 de pouvoir qui font sens. Euh, ces ces espaces-là n'ont pas disparu. Ils ont été écartés, on les a rendus invisibles, mais ils ont continué à opérer. Euh, et et, et c'est pourquoi vous, vous vous voyez à un moment donné, euh, et, et le modèle sénégalais de ce point de vue est extrêmement intéressant. Euh, L'État colonial, euh, au fond, euh, du haut de sa puissance euh, militaire, du haut de ses institutions euh, idéologiques, école, église, etc., euh, chemine, chemine, avance, euh, broie, euh, domine, humilie. Jusqu'à un certain point, se retrouve quand même littéralement face au mur et en dépit de tout cet arsenal impuissant. Qu'est-ce qui se passe on a, on a décapité littéralement tous les chefs traditionnels. Il n'y a plus de rois. Il n'y a que des descendants euh, dont on a vidé et le pouvoir et qu'on surveille. Euh, on se retrouve devant une société euh, qui est euh, qui, 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 qui devient muette, qui refuse de parler et de partager et d'expliquer. De respecter, sauf dans des cas extrêmes, lorsqu'il y a emprisonnement ou violence physique, qui refusent d'écouter et de respecter ce que la très forte et grande administration coloniale veut. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'administration coloniale elle-même faire venir des institutions, euh, des autorités Traditionnelle. traditionnelles qui ont été euh, éliminées ou mises de côté, ouais. délégitimées pour qu'elles servent de, 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 de médiateurs. Et donc, c'est ces pouvoirs intermédiaires sont extrêmement importants dans toutes les sociétés et à, de toutes les façons ne disparaissent pas, ne peuvent pas disparaître parce qu'elles relient, elles permettent de, de donner du sens et dans, comme tu le disais tout à l'heure, des communautés qui sont, qui sont diverses. Et donc c'est pourquoi à un moment donné, le pouvoir religieux au Sénégal acquiert toute son importance. Euh, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, vous voulez enrôler de force Regardez euh, l'un des déclencheurs euh, de la mémoire euh, euh, en Casamance. Euh, vous voulez exiger des paysans qu'ils vous donnent leur récolte de riz. Vous déclenchez le moment à l'Institut parce que l'administration coloniale ne sait pas quelle est la symbolique et l'importance du riz. Vous, aurez, vous pouviez faire beaucoup de choses, mais prendre des jeunes et prendre du riz en casamance, c'est extraordinairement fort et chargé. Et vous ne pouvez le faire que si vous arrivez à déclencher au fond certain processus et en le faisant mal, vous déclenchez une, 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 littéralement une révolution dont jusqu'à présent nous subissons les conséquences et la mémoire, etc. Et on va de même dans les royaumes, dans les, les dans le signe et, et le saloum, mais, mais de manière très forte, euh, d'urbel, dans les, ce qu'on appelle le, 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 le machin vous, Arachidier, vous, 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 vous savez très bien qu'on nous a économiquement, nous sommes passés d'une de, de, forme de, de, de polyculture… – Diversifiée, ouais. à une monoculture de l'Arachide. Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on impose sur littéralement l'ensemble d'un territoire une ou deux formes de culture ?– On salue les chefs religieux Exactement. et les chefs traditionnels. – Et les chefs traditionnels euh, qui, comme… Ils sont aussi intelligents dans cette dans cette accommodation. C'est pourquoi on parle d'accommodation réciproque euh, euh, des élites. Euh, de, dans dans de, les, 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 le pouvoir colonial arrive à imposer ou euh, à faire euh, imposer littéralement une monoculture de l'arachide, telle ou telle euh, fiscalité euh, qu'il voulait euh, imposer aux populations. Par cette médiation-là, le chef religieux qui a une autre ambition règle un autre problème. Son problème, c'est comment est-ce que ma population, qui est militairement dominée, comment je la fortifie spirituellement, moralement, idéologiquement, à être dans des formes de résistance passive tout le temps Comment est-ce que je m'assure que le paysan du Baol, oui, il va cultiver de l'arachide, mais il ne perdra pas son identité, son histoire, son passé, sa langue, etc. Et euh, comme nous étions nous sommes toujours dans un moment de diffusion de l'islam. Vous savez très bien que le moment de développement extraordinaire de l'islam au Sénégal, c'est le moment colonial. C'est l'utilisation de la paix coloniale pour diffuser l'islam et les confréries, cette forme particulière, pour encore une fois disséminer au niveau national et de manière extraordinaire ces confréries-là et les dars. C'est dans ces moments-là que vous avez vraiment une, 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 une Diffusion. Donc, est-ce qu'on peut considérer Parce que généralement, il y a une réflexion, des fois à caractère identitaire, qui, euh, qui voudrait que les autorités traditionnelles, religieuses, légitimes, soient le fait de notre identité. Mais à vous entendre, j'ai plutôt le sentiment que ça aussi, c'est une production coloniale. Le fait que ces autorités qui deviennent des corps intermédiaires et régulent la société et que le contrat social sénégalais de l'époque se soit noué ainsi c'est aussi une production du fait fait colonial qui les aurait institués dans ce rôle-là. C'est une précisément c'est une coproduction. Mm -hmm. Euh, le, le modèle sénégalais que nous connaissons depuis, euh, depuis Fédère pour aller vite, donc euh, euh, à partir de 1850, si vous voulez 1856, parce que c'est là où il devient gouverneur, à partir donc de, 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 ce, de ce milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours, ce modèle est un modèle qui est coproduit, coproduit où encore une fois l'État colonial a des intérêts qui sont clairement identifiés et instrumentalise. Ou croient instrumentaliser euh, les autorités religieuses, puisque encore une fois, les autorités religieuses chez le colon, ce sont des autorités de remplacement. Je n'ai plus d'autorité politique en tant que tel. Il n'y a plus la Dior, les Alburis, etc. Je les remplace par ceux qui font autorité. Euh, encore une fois, vous, vous vous prenez, vous faites le tour. Euh, c'est c'est euh, euh, c'est à il, il en va de même. Et donc, je suis obligée de passer par la médiation de ces autorités pour accéder à ce sujet, à se coloniser, à ce que vous voulez. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle de l'autre côté le talibé. Mmh. Le talibé, c'est aussi, ne l'oublions pas, ce n'est pas un être seulement religieux, c'est un homo economicus. Le talibé est le paysan, c'est lui qui produit. Le talibé, c'est lui qui paie l'impôt. Euh, et pour accéder à, encore une fois, le payeur d'impôt, euh, celui qui va produire le, le, ce dont j'ai besoin, celui qui va faire les routes, etc., j'ai besoin de contourner. De, je ne peux pas le, lui parler directement parce qu'il risque de résister, donc je ne passe pas. Et, mais inversement, c'est là où je voudrais qu'on voit qu la dimension coproduction. Ce modèle, encore une fois, c'est l'occasion aussi, l'opportunité pour ces chefs religieux, encore une fois eux aussi de de, de, de planifier euh, je pense de la manière la plus euh, la la plus la plus performante possible leur dessin c'est d'utiliser la paix coloniale il n'y a plus de guerre en fait alors qu'il y en avait toujours entre les royaumes, ce moment de la pacification coloniale qui a été rendu possible par euh, l'administrateur colonial, c'est le moment de la diffusion de la religion. C'est aussi le moment d'une forme, encore une fois, de résistance intérieure. Euh, et c'est pourquoi vous avez, euh, regardez les langues que mobilisent les chefs religieux. C'est l'arabe, mais vous avez aussi le wolofol. Et, et vous avez dans ces langues-là des choses qui font sens et qui, jusqu'à présent, restent dans, dans le rythme. Dans l'esthétique, dans les mots, dans les formulations. Il euh, et, et, y a donc cette accommodation. Je, chacun a son dessin et on se rencontre quelque part euh, et le chef religieux continue de protéger le talibé en lui disant il faut quand même euh, négocier tel et tel aspect économique, agricole, etc. Euh, et c'est pourquoi la dimension économique, il ne faut jamais la perdre de vue. Il y a dans 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 la colonie il n'y a que au fond que des intérêts économiques euh, et on se... et des intérêts bien compris de part et d'autre et des intérêts bien compris de de, de part et d'autre donc le, le modèle colonial cet État encore une fois cette chose qui était rappelez-vous quand il arrivait cette chose là quand pardon quand elle arrivait c'était un, un de l'ancien régime qui était là progressivement progressivement devient quelque chose qui fait sens puisque euh, parmi ceux qui le mettent en œuvre et lui permettent de fonctionner, vous allez avoir les confréries, mais vous allez aussi avoir des à l'intérieur des. C'est qui est approprié, qui est en mutation, mais qui est approprié, qui est approprié, et, approprié. et qui répond à d'autres dessins. Exactement. Alors aujourd'hui, on est dans un moment de crise, crise sociale, crise politique, et souvent on entend ça et là un désir de refondation de l'État, un désir d'accéder à une forme de modernité. Politique au sein de laquelle les sujets seraient égaux, on reproche à notre société ces féodalités qui survivent et tout un tas de problématiques. Alors, s'il y avait, je sais que c'est une question difficile que je vous pose, mais si vous aviez des, des pistes à proposer pour cette refondation là, quelles seraient-elles quel, aujourd'hui, quel type de détails il nous faut ou est ou nous faut-il un état <laughs> euh, je, je pense que il nous faut pour aller vite. Faire doucement. Il nous faut, ce qui a, ce qui a manqué, me semble-t-il, euh, dans ce moment crucial des indépendances, c'est une théorie de la refondation. Théorie slash praxis. Ou pensée de la refondation. Une pensée de la refondation. Une, une, nous poser fondamentalement et réfléchir, la, penser la crise. Le moment colonial était une crise absolument profonde et nouvelle et radicale. Ça nous a pris de surprise, ça nous a dominé, ça nous a humilié, ça nous a… tout ce que vous voulez. – Pourtant, Ebussi Boulaga a écrit « La crise du montou en 77 Il la pensée, la crise. – Combien euh, d'entre nous ont lu euh, Ebusi Boulaga euh, Combien ont lu « Nous sommes au Sénégal » Combien d'intellectuels sénégalais et sénégalaises ont lu « Cher Anta Diop euh, combien ont lu Mamadou Et Mamadou Dia, on oublie toujours, c'est quelqu'un qui a aussi écrit de manière prolifique. Et, et sa pensée et sa vision politique était différente en partie de celle de Senghor. Et, et là, Senghor a écrit, mais qui, qui a lu les... Comme... On pourrait vraiment faire un sondage pour essayer de voir qui a vraiment lu, les, ne serait-ce que les libertés de Senghor, là où vraiment il, 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 il met très très clairement sa, sa pensée politique et, 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 et la manière dont il voyait l'avenir du panafricanisme, etc. Et il, y a, il y a vraiment de cela. Euh, euh, je, je pense qu'il faut qu'on qu se pose et qu'on pense la crise et qu'on nomme les choses. Le mal nommé, le monde, Féline, tu me complèteras C'est ajouté à son malheur. C'est ajouter à son malheur. Nous, nous, nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs. Nous devons, dans ce moment qui est le nôtre, encore une fois, nous poser, bien nommer les choses, nous permet précisément de les identifier, de les centrer et, 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 et d'y répondre. Moi, Alors, la question que j'aimerais vous poser, professeur Ba, on, on est dans un moment de crise et un, un souhait, un désir de refondation. Alors, faut-il refonder l'État sur d'autres bases? en faire un État moderne, inclusif, on reproche à nos États leur féodalité et à nos sociétés, ou faut-il élargir la réflexion sur un objet autre que l'État, n'étant pas trop, trop concentré sur l'État comme unique lieu de formation de, 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 de formation de la communauté politique Il y a un autre élément qui est important. Il faut se souvenir aussi qu'on pourrait penser euh, l'histoire de l'État en Afrique à partir de ces tentatives de euh, correction de réforme si vous voulez réforme étant le, le. rappelez-vous dès les années 90, nous avons les, eu les conférences na exactement. nationales. Nous avons eu les conférences souveraines nationales. Euh, nous avons, nous, en réalité, le discours politique peut aussi, on peut tirer le fil de il faut réformer l'État africain. Et il faut réformer l'État africain, ce ne sont pas seulement les Africains qui le disent, c'est la société civile africaine qui le dit, ce sont aussi les institutions internationales qui passent leur temps à nous le dire, d'où toutes ces réformes des administrations, les réformes euh, euh, des politiques euh, budgétaires, etc. Et donc, la réforme c'est un, euh, une sorte de buzzword. Euh, mais, mais vous faites bien de, de, de parler de refondation. Euh, et il me semble, au fond, là aussi, qu'il faut éviter de recréer la roue. Je, 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 après avoir précisé qu'il était important de bien nommer le type de situation et de contexte et d'état que nous avions en face de nous, il est euh, très important aussi de ne pas refaire exactement les mêmes choses. Prenons l'exemple du Sénégal. Nous avons eu euh, à, entre 2008, 2009, 2010 un moment extraordinairement important et fascinant. C'était les assises nationales du Sénégal. Contrairement... Euh, et, et, et sa suite, hein, j'ai dit jusqu'en 2010, parce que accélérer. exactement. J'inclus la, 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 la commission de réforme des institutions et sa proposition de constitution. Et ce qui est ce qui est intéressant dans la démarche, ce n'est pas au fond, ce ne sont pas seulement les résultats qui sont très intéressants, mais c'est la démarche. C'est la première fois qu'une constitution qui devait régir donc tous les aspects ou presque de nos vies, n'était plus fondé sur le discours, comme vous le dites, d'un petit groupe de constitutionnalistes dans un bureau quelque part, dans une université ou, mais c'était un moment dans lequel nous disions à tous les citoyennes et à tous les citoyens, jeunes comme adultes, que penses-tu de notre projet commun? Que penses-tu? Parce que ta voix compte, parce que la démocratie, au fond, c'est littéralement ce pouvoir qui est donné au, au peuple. Et donc, nous faisions vraiment œuvre de démocrate en ayant cette démarche qui était ouverte, inclusive, etc. Et, et évidemment, quand on fait cet exercice, forcément, vous allez poser des questions qui sont différentes. Les questions qu'on posait, beaucoup de questions ont été posées, mais il me semble que, au-dessus de toutes d'elles, la question peut-être non posée, mais qui revenait dans tout, c'était c'est quoi pour vous bien vivre Pour moi, la question du bien vivre dépasse la question de l'État. Elle entre dans la société, elle entre dans nos interactions, elle entre dans les relations internationales. Parce que la question du bien vivre, au fond, c'est aussi, sous une, un autre terme, c'est la question de la décence. Qu'est-ce qu'il est décent d'avoir comme institution politique c'est la question de la décence et du bien-vivre qui nous oblige à maintenant ne plus nous dire qui doit gouverner, comment on gouverne, et donc à sortir de l'équation, de notre équation de démocratie électorale, procédurière, etc., et à envisager les finalités derrière les procédures. Euh, et, et, et pour moi, c'est peut-être dans ce genre d'opération dont nous avons eu une expérience extrêmement intéressante que nous devons nous diriger, bien poser les questions, être sûr et certain que ce qui n'est plus négociable, c'est le fait d'isoler, d'écarter, exactement comme dans l'État colonial, des catégories entières, le sujet colonial, les sujets. Vous savez qu'il y avait les, quatre, les, les citoyens des quatre communes et tout le reste, et encore, et même eux pesaient… Euh, – Très peu. – Pesaient très peu. – Très peu. Dans ce projet collectif, l'accès à la dignité des citoyens, l'accès à la parole publique, c'est quelque chose qui doit être équitablement distribué. Évidemment, en tant que femme, je sais à quel point, très rapidement, y compris dans un pays où la parité est instituée depuis une décennie, il est très facile de parler pour les femmes. Et quand on dit femmes, on pense évidemment à ma génération, à des gens qui ont entre 40, 30, 40 ans ou plus jeunes, etc. Mais on, on oublie la parole des adolescentes, la parole euh, des jeunes filles, on, on oublie la parole de tous ces marginaux, la parole du, du, du marchand ambulant, qu'est-ce qu'elle vaut dans, dans, dans nos cités, la parole des, des, des personnes handicapées, la parole des ruraux. Euh, on a beau dire, euh, beaucoup ne sont pas... Encore une fois, invité à la table de de la discussion. Donc, je pense que dans les assises, il y a quelque chose que nous pouvons euh, tirer comme expérience. Et je crois beaucoup à l'expérience. Je ne je, je ne crois pas à euh, la découverte et à l'innovation perpétuelle. Je pense. C'est vrai qu'en 2008-2009, on a eu une, une expérience importante les assises, le suivie de la commission nationale de réforme des institutions. Et comme vous l'indiquez, la, la démarche elle est riche d'enseignement. Elle est vraiment riche d'enseignement. Mais certains critiques opposent aux propositions de l'équipe de Amadou d'avoir repris des chèmes, des paragraphes qui étaient totalement désancrés de nos sociologies et qu'il manquait une profonde réflexion sur les cosmologies, sur la métaphysique et sur l'anthropologie de nos normativités. C'est-à-dire que certains nombre de nos normativités ne puissent pas dans les ressources endogènes et des fois ça crée un effet de décalage, même s'il y a des universaux, mais qu'il y a un travail à faire de réancrer les textes qui nous lient à des imaginaires que nous partageons, à des formes de normativité que nos sociétés produisent, et puis à des, des universaux que nous produisons nous-mêmes, pour que les gens s'y reconnaissent, et pour que justement ben, ces textes-là soient, soient sacrés. Et justement, j'en profite, j'aimerais vous entendre sur la crise actuelle qui nous secoue, et quel est votre regard, et, et, et quelles sont les pistes de, de, ou les voies de sortie de crise que, que vous proposeriez Parce que là, il y a quand même eu un travail important mais qui ne s'est pas traduit en projet politique et qu'en dépit de ces ressources-là, elles sont inactives, elles dorment. – Il y a plusieurs choses dans, dans votre question. Euh, le, 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 vraiment, loin, loin de moi l'idée d'être de, 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 dans une célébration non critique ouais. ou d'idéaliser le, 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 le travail des assises et, et, de et de la CNR. En revanche, ce que je considère, c'est que c'est vraiment une avancée considérable par rapport à nos anciennes manières de faire euh, et d'instituer des de textes procéder. et de procéder. Évidemment, donc la ouais. méthode, euh, les ambitions, euh, les procédures ici étaient extrêmement importantes. Bon. Et je pense que, On peut même dire que le CNRI a amélioré les procédures et absolument, des Absolument, et, 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 et le contenu. Je pense aussi qu'il y a dans le contenu des choses extrêmement importantes. Euh, c'est œuvre humaine, donc c'est évidemment quelque chose qu'il faut polir, améliorer, en prendre soin et, et, et le renforcer dans ses faiblesses, dans ses manquements. Il y a des questions qui n'ont pas été suffisamment prises en charge. Euh, y, y, le, le, la voix des femmes dont je parlais ici a été était là, mais pas pas au, de manière aussi importante qu'on aurait voulu. Et d'autres effectivement ont échappé à, à cette à cette cette discussion. Il aurait fallu les 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 y ramener ainsi que des thématiques comme celles que tu as citées. Donc quelque chose d'important a été euh, mis sur la table euh, et le, le le principal défaut euh, de toute la classe politique sénégalaise il ne s'agit pas seulement de euh, de celui qui a gagné parce que au fond le problème que nous avons c'est que euh, j'ai l'impression qu'ils sont presque euh, euh, c'est le jeu coup, de chez un, exactement on pourrait remplacer A par B et et ce serait exactement la même situation dans laquelle nous nous, nous serions Ce qui ce qui s'est passé c'est euh, encore une fois notre notre incapacité à aller jusqu'au bout de ces promesses, euh, encore une fois, qui étaient vraiment très belles et très attendues et espérées. Et ça, je crois que ce que, ce que, ce que, on ne pourra comprendre la la, la violence de la réaction à la situation actuelle, ou ou euh, quand le président ivoirien ou le, quand le président guinéen décide de se représenter, ce qu'ils arrachent euh, à leurs citoyens et surtout aux jeunes de leur pays c'est cette chose absolument vitale qu'est l'espoir et et, et et ça me semble-t-il personne n'a le droit de le faire l'espoir que au fond nous nous acheminons vers des, des problèmes que nous allons régler et que nous laissons de côté ce que si, si l'image de la pirogue fait sens ce n'est pas parce que nous y sommes tous entassés c'est parce que dans le rythme que nous donnons à euh, à cette pirogue, eh ben, nous avons le sentiment d'avancer euh, et d'avancer tous ensemble mmh. euh, et on ne peut avancer si certains pagayent dans un sens et l'autre euh, un autre camp dans, dans l'autre. Donc l'idée de laisser derrière soi certains fardeaux, le fardeau de ce débat, euh, les, les errements qui vont forcément en ressortir. Je crois qu'il y a dans, 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 dans la colère, dans le désespoir. Et on l'entend et on voit euh, ce, ce désespoir dans la bouche des jeunes quand ils sortent, quand ils manifestent. Euh, de, dans cette colère et dans ce désespoir, il y a le fait qu'on leur a arraché l'espoir, au moins de poser un fardeau, une valise et d'attaquer la nouvelle phase de la lutte. On a l'impression qu'on nous retient sur place en nous imposant des batailles qui ne sont pas les, nos vraies batailles. Les batailles, c'est celles de. Euh, dès encore une fois, du mieux vivre. C'est poser les voix africaines dans les débats internationaux. C'est réfléchir sur nos systèmes de santé, nos systèmes éducatifs, le type d'université que nous voulons, le type d'éducation que nous voulons. Pour ce, nos... ce débat institutionnel nous a empêchés de faire ceci, d'avoir un vrai débat sociétal. De, Absolument. de réfléchir sur l'éducation, la santé, sur l'économie, sur le vivre ensemble, sur le, sur le bien-être, sur la prospérité à partager. Et on a le sentiment de revenir en arrière, exactement. de revenir 11 le, ans le, en le arrière. L'idée de exactement. Ce piétinement, mm -hmm. le, le, le fait de faire du sur place. Et quand on piétine un sol, au fond, on on on, on descend. On, on est on, 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 le, le sol se creuse et on a l'impression de littéralement de nous engouffrer dans, dans un vide où, où, et c'est ça je, encore une fois dans la colère des jeunes il y a cette volonté de s'arracher à ça nous voulons être dans le, dans le mouvement dans dans, dans, dans l'action dans des dynamiques et, et, et ces débats qui sont exactement les, les mêmes euh... Mais il y a des penseurs qui disent qu'il faut aussi qu'on regarde les choses en dynamique et que peut-être on a le sentiment de, de stagner. Mais que fondamentalement euh, cette question-là s'inscrit dans un temps et serait beaucoup plus longue, et que les exigences d'aujourd'hui sont beaucoup plus fortes que celles d'avant et que on est dans un et que, que peut-être nous serions dans, dans la fin d'une d'un cycle mm -hmm. et que la crise indiquerait probablement le un renouveau démocratique à venir avec un contenu en termes de demandes d'attentes démocratiques beaucoup plus fortes que ce qui existait il y a 10 ou 12 ans. J'en suis, je suis, je partage absolument cette, cette perspective. Euh, on a parlé à un moment donné d'un nouveau type de Sénégalais. On l'a, on, 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 croit ne pas l'avoir vu. Parce qu'effectivement, euh, euh, de l'extérieur, oui, effectivement, nous sommes bruyants, nous, voilà. Nous avons, exactement, nous avons toutes les qualités du monde et, 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 et ça n'a pas bougé. Mais au fond, je pense que les gens ont vraiment changé. En termes d'exigence, en termes de, euh, de, 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 de volonté de, de, de rupture. Je vous avez le sentiment, bon, et je, je terminerai là-dessus, qu'on a des sociétés qui sont en avance sur nos États ou sur nos, ou sur nos gouvernements ou sur nos élites Nous avons surtout des sociétés qui sont en avance sur les universitaires, les enseignants, chercheurs, euh, et donc euh, aussi sur, euh, euh, sur nos, nos, nos décideurs de, de manière très claire. Est-ce que n'est pas de bon temps de nous autoflageller, nous les. Nous les universitaires, en disant nous sommes déconnectés, nous ne parlons pas à notre peuple, nous ne remplissons pas nos missions. Est-ce que c'est pas devenu une sorte de blouse de l'universitaire de considérer qu'il est déconnecté alors que nous sommes dans une société qui n'est pas étanche, qui est intégrée. Nous avons des attaches euh, dans nos territoires euh, ruraux. Nous, nous parlons les langues, les langues nationales. Nous sommes intégrés aux problèmes que vivent les Sénégalais. Et pourtant, nous disons de nous-mêmes être à part. Quand, quand je dis que la société est en avance sur nous, c'est que je rêve, j'aspire à une euh, vraie sociologie euh, des jeunes aujourd'hui. Regardez ce qui se passe euh, depuis, depuis, depuis littéralement un quart de siècle, ces 25 dernières années. Euh, je, je ne connais pas de travail approfondi sur… Euh, euh, sur les jeunes. Francis Akindes Ivoirien. Ouais. Non, la, la question de la magistrature. On nous explique continuellement que nous avons une justice qui n'est pas indépendante. Je ne connais pas de travaux de sociologie ou d'anthropologie, littéralement, euh, de la justice. Qui sont les magistrats qui, 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 Quels sont les juges au Sénégal Depuis combien de temps est-ce qu'on n'a pas fait le point sur comment ces gens-là sont formés, sont socialisés, sont cooptés, intègrent la société euh, Et, et c'est ce, de ce genre de travail-là. Nous parlons de théorie politique. Est-ce que nous avons offert à nos dirigeants, dont ce n'est pas exclusivement le rôle, des éléments pour penser de nouvelles constitutions euh, euh, vous, vous pouvez prendre le droit. À quel moment est-ce que nos juristes se sont posés pour nous dire que nous avons un droit traditionnel qui doit être non seulement enseigné… – Je partage entièrement ouais, votre avis et, 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 et je partage entièrement ce que vous dites sur la nécessité de produire de nouvelles formes de connaissances, de nouvelles épistémologies, de, de nouvelles théories politiques, de nouvelles philosophies politiques et les mettre à la disposition du corps social pour que celui-ci se repense et se refonde. Mais il semblerait que, que le politique aussi… Euh, est un moment important de ce temps de, de refondation-là. Je, euh, suis... je vous remercie vraiment de cette belle conversation. Le plaisir était mien.